Une balade derrière la scène de l'Opéra de Paris, une vision futuriste de la Notre-Dame de demain et une promenade dans la ferveur de Lourdes, c'est le programme de À l'affiche, bienvenue dans cette émission. En France, c'est une institution. L'Opéra de Paris fête cette année ses 350 ans. L'occasion de se pencher sur la vie au quotidien de cette vénérable maison qui regroupe Garnier et l'Opéra Bastille. Ses grands noms comme ses petites mains. Nos confrères de France 2 nous emmènent dans les coulisses de l'Académie. Lucile Launay a intégré l'Académie de l'Opéra pour un an. Cette Bretonne de 27 ans est perruquière et maquilleuse. Après son bac pro, elle est venue se perfectionner dans ce lieu d'excellence. Son tuteur l'aide ce jour-là à finaliser un drôle de postiche avec des ailes. Au moment où tu vas coudre, ça risque de se déchirer. Et peut-être que tu renforces ça déjà d'abord. D'accord. Soit par un petit morceau de tulle ou un petit crin, quelque chose. La transmission est la valeur essentielle de l'Académie. D'accord. J'ai jamais été avare de quelques petites choses que je connaissais dans ce métier. Puis on a tous nos petits trucs. Moi, je suis ravi de pouvoir les donner. Surtout que bon, moi, j'arrive quand même en fin de carrière et autant qu'il y ait des gens qui en profitent. Lucile espère qu'à la fin de son contrat de professionnalisation, la maison la rappellera pour des missions ponctuelles. L'Opéra de Paris, ça fait rêver. Surtout en tant que perruquier, il n'y a déjà pas beaucoup d'ateliers. Donc si on peut arriver à l'Opéra, c'est vraiment parfait. L'Académie recrute 40 jeunes chaque année qui travaillent au Palais Garnier ou ici à l'Opéra Bastille. Certains viennent de loin, comme le Brésilien Tullio Moraes. Il termine une robe faite de plastique de récupération. Mets-toi un coup de néoprène ici et ça ne glissera pas. Tullio rêve de devenir créateur de costumes dans le monde de la musique. Il y a des techniques que j'ai apprises ici, que je peux utiliser ailleurs pour les shows, les spectacles, les concerts, des techniques d'agrafage, des changements rapides sur scène, que ça marche aussi pour les chanteurs, pour les artistes. Sur scène, sa robe en sac plastique recyclé sera spectaculaire. Au sous-sol de l'Opéra Bastille, répète une autre académicienne. La soprano Angélique Boudeville. Pour interpréter la chauve-souris, un opéra de Johann Strauss, elle prend ce jour-là un cours d'allemand très particulier. Pas Fearless, mein Mann Fearless, un peu plus ouvert. Elle apprend à prononcer chaque mot à la perfection. Fais-le très legato en reliant le T et le M. Angélique fait partie des académiciens que l'opéra est allé chercher. La maison voit en elle une pépite, une future grande. On s'occupe très bien de moi. On m'a dit on va t'aider à faire toute la communication et à monter ton répertoire et à apprendre encore. Après des semaines de travail, vient le soir de la répétition générale à la Maison de la Culture de Bobigny. Artistes et artisans de l'Académie revisitent la chauve-souris, l'opéra de Strauss. Notre soprano s'échauffe la voix. Elle maîtrise bien les paroles en allemand, mais elle a le trac. Très angoissée, parce qu'on a envie de bien faire, de décevoir personne, d'être au meilleur de nous-mêmes, évidemment. Même stress pour Lucile. La perruquière vérifie une dernière fois que ses ailes se dresseront au moment voulu. Enfin, c'est super enfin, de pouvoir voir en vrai comment ça va se passer, voir si tout va être bien. La répétition se déroulera au mieux. Les costumes éblouissent, les chanteurs aussi. L'Académie présentera son spectacle dans 5 villes de France. Soit végétalisé, dôme futuriste ou restauration à l'identique. À quoi ressemblera Notre-Dame de Paris de demain? Depuis l'appel à projet lancé par le Premier ministre Édouard Philippe pour rebâtir la toiture de la cathédrale, les architectes débordent d'imagination. Passage en revue de projets, parfois un peu fous, par nos confrères de France 2. Dès le lendemain de l'incendie, les imaginations se sont enflammées. De la flèche classique de Viollet-le-Duc, entourée d'un toit de verre, jusqu'à cette serre futuriste, en passant par des jardins suspendus, une couverture entièrement en vitraux,
voire un toit-terrasse. L'architecte Alexandre Chasson a voulu lancer le débat en dessinant en une nuit cette flèche en verre. J'ai proposé une image extrêmement rapidement pour dire « ouvrons le débat, nous ne sommes pas obligés de reconstruire l'identique, nous pouvons écrire de manière contemporaine, tout en respectant le patrimoine, sur ce bâtiment. » Face à l'émotion, le président a promis une reconstruction dans les 5 ans et lancé un concours international. Devant les idées qui fleurissent, tout le monde a son avis. Alors là, c'est peut-être un petit peu trop, là, quand même. On s'éloigne pas mal de l'original. Oh, moi, une certaine modernisation ne me gênerait pas, parce que je pense qu'il faut, il faut utiliser les techniques actuelles. Il y a l'espace vert, il y a... Non, c'est pas mal, ça. Mais l'audace des propositions suscite aussi le rejet de certains professionnels. Chacun y va de ce qu'il sait faire. Celui qui sait faire du verre le fait en verre. Et mon associé disait, on pourrait demander au facteur cheval de le faire, il ferait une flèche en coquillage. Donc le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est de comprendre ce qu'est cette cathédrale et de la refaire comme elle était. Parmi les projets, il en est un qui ne parle pas de reconstruction. Christophe Pinguet propose une installation lumineuse temporaire, rappelant les faisceaux de lumière qui remplaçaient les tours du World Trade Center. Depuis le 11 septembre, on n'avait pas vu des images aussi dramatiques et quelque part aussi extraordinaires et aussi terribles en même temps que la flèche qui tombe. Et ce parallèle, on l'a tous en émotion dans le cœur. C'est l'idée qui aurait le plus de chances d'être retenue. Une scénographie, le temps des fêtes, pour que Notre-Dame, l'hiver prochain, ne soit pas plongée dans le noir. Des lumières de Notre-Dame au miracle de Lourdes. C'est l'objet d'un documentaire signé Thierry Demazière et Alban Turlet. Le duo de réalisateurs, habitué à travailler ensemble, est parti à la rencontre de ce lieu qui accueille, comme chaque année, des centaines de milliers de pèlerins de tous âges et de toutes nationalités, croyants mais pas toujours. Ah là là. Bon, allez, lève-toi. Ça, c'est tellement beau. Et marche. Mais oui. Dis-lui quelque chose. Allez. Il est très fort. Lourdes comme vous ne l'avez jamais vue. Au plus près des pèlerins et de tous ceux, religieux ou bénévoles, qui s'occupent d'eux pendant des jours. À nous, maintenant, il y a la filière littéraire. Donc c'est... Oh putain. De l'humour, mais surtout pas de moquerie. Des moments de vie, de souffrance, de partage et de foi, saisis sur le vif par les réalisateurs, athées. On sent, nous, une plénitude. Certains sentent la transcendance. Certains nous disent « votre film crie Dieu ». Nous, non, il crie l'humain. C'est un film sur des invisibles. Quand on est à Lourdes, on peut se montrer tel qu'on est vraiment, avec sa grandeur et sa faiblesse. C'est ce que viennent chercher ces gens, en fait. Plus que le miracle, c'est d'être regardés comme des personnes. Alors que le reste de l'année, ils sont dans des centres, dans des EHPAD, et pas forcément regardés par la société. Parmi les pèlerins du film, il y a Patrick, militaire de carrière, et son fils aîné, Jean-Baptiste, qui souffre d'une maladie de la croissance. Son petit frère est atteint, lui, d'une très grave maladie de peau. Il a déjà dépassé son espérance de vie. Nous avons voulu rencontrer Laetitia, la maman, et Patrick, pour comprendre ce qu'ils attendent de Lourdes. C'est pas le miracle d'une guérison, mais au moins des grâces, en tant que croyant, la grâce de pouvoir partir, la grâce que Augustin soit encore avec nous. Quand tu vas à Lourdes, qu'est-ce qui te plaît le plus ? Voir les malades. L'idée, c'est qu'il faut avoir le cœur disposé, être prêt à aller voir des gens qui soient en fauteuil roulant, qui soient totalement valides, mais ils ont énormément de choses à me dire. Et en tout cas, à travers à la fois leur sourire, des petits mots qu'on échange, il y a quelque chose qui se passe et qui fait aussi toute la magie de Lourdes. Le film permet de partager pour la première fois le quotidien d'une dizaine de pèlerins de toute origine. Quand on a la foi, c'est vrai, on dépasse les montagnes. Un film qui ne devrait laisser personne indifférent, ceux qui croient au ciel comme ceux qui n'y croient pas.
Et pour finir cette émission, direction le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Il met à l'honneur pour la première fois Elena Rubinstein, l'impératrice de la beauté, comme l'a surnommée Jean Cocteau. Née pauvre à Cracovie et disparue milliardaire à New York, c'est le parcours d'une femme libre et avant-gardiste qui est célébrée. Une pionnière dans le monde de la beauté et de la cosmétique qui a créé un empire. C'est à voir jusqu'au 25 août à Paris. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux indispensables du service culture qui m'ont aidé à préparer et écrire cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur le site de France 24 et sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt.